Et salut tout le monde, c'est Team 714-140. On se retrouve pour l'épisode 2 de Out of Control 3. Nous sommes plus que 13, avec la mort d'un joueur. Pire que Skyland du HC. Quoique, c'est pareil, je crois. Eh ben. Ah bon Dieu, ce QHC commence bien. Ouais. Des vaches par là-bas, ça c'est pas mal. Ok, donc il y a une forêt. Attends, y a pas de forêt, les amis. Y a que du Dark Forest. Oui. Que des Dark Forest, j'ai rien. Ils sont là. Ouais, donc là on est plus beaucoup déjà. Mais bon, normalement les fights sont. Logiquement, les fights vont être bien quand même, on va dire en général. Donc ça devrait aller. Par contre, je crois avoir vu un pseudo par là-bas, non? Pas vous? Alors, est-ce que c'est mon esprit qui joue des tours? Oui. Il fait nuit maintenant. Maintenant, il fait pas nuit, qu'est-ce qu'ils disent? Oula! Oula, y a un garçon qui a fumé là. Oula, il est pas bien lui. Si pour lui ici c'est la nuit, il faut peut-être changer de lunettes. Hein. Enfin bon, une expression, mais parce que personne ne porte des lunettes, enfin je crois. Et puis surtout on est dans Minecraft, donc ça servira pas à grand chose, mais. Et pour moi, c'est pas la nuit, hein. Pour moi, je vois bien le jour. Hein. Ta 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 ta. Attends, quel mec mort, putain, il était tout pourri, hein. Clairement. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage sur le nombre de joueurs. C'est vrai que j'y pense. Parce qu'en fait, c'était soit 15, soit 18. Donc, à un moment, on a été 16. Et après, on a dit, bah, on a dû dire à une personne qui enfin, cette personne se retrouvera dans la vidéo. Mais et on a dû dire à une personne que malheureusement, il pouvait pas participer. Mais je pense qu'on a dû peut-être un peu attendre. Parce que là, faut savoir que c'est déjà donc 16h30. On est un peu en retard comparé à d'habitude. Ah, des pommes, pas mal. Une pomme, on va essayer de prendre 4 pommes, je pense, ça peut être pas mal. Voilà. Oula, putain, ça spawn en masse, je crois, non? Ça spawn en masse. Après, on est encore plus près du 0-0 pour miner le diamant, je pense. Surtout que c'est. Attendez, est-ce que c'est rare qui. Ah, GG! Silver qui m'a oublié le permakill, bah bravo, il a pété le jeu. Non, oui, donc clairement, je sais pas qui c'est le mec qui est mort, mais de toute façon, je dois en penser à un truc. Est-ce que j'ai eu le strip mining dans Out of Control? Oui, alors le premier, il me semble que oui, parce qu'avec Shintaro, on minait en grotte. Ah oui, je fais aussi un coucou à Shintaro qui est malade. Et bon, de toute façon, il était pas dans Out of Control de base, mais bon, il est malade, donc voilà. Ah! Et c'est la nuit, bravo, trop bien. Oui, donc on va aller se cacher, hein. On va laisser tomber les pommes. Non, je vais essayer d'aller au 0-0 déjà. Ah, 4 pommes, ouais. Ah, 5 pommes, ouais, c'est bon, on se tire, les amis. On se tire très très loin. 0-0 par là-bas. Ah, on est. C'est 0-0, d'accord. Non. Très bien. On va essayer juste de sortir de cet endroit. Putain, mais 0-0, c'est. C'est pas le top. Il y a encore plus de morts, je pense. Quoique, il n'y a pas trop de mobs qui spawn, donc on est pas mal. Alors, vas-y, juste se reposer, on va dire. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Niveau coordonnées, on est plutôt pas mal. Peut-être un peu descendre. Voilà. On va dire, on va aller. On va attendre. Oh, oui. Ok, il y a le spawn. Est-ce qu'on PVP? Non. Qui veut PVP? Qui veut faire du kill? Il ouais, y a personne de toute façon. De toute façon, les gens sont en train de miner, donc bon, après. Il n'y a pas grand monde. Alors, les amis, pour descendre. J'ai deux techniques. On va faire celle-là parce que c'est risqué en fait, de faire la technique que je voulais faire. Donc, miner deux par deux, enfin, miner sous ses pieds en fait, voilà. C'est un peu dangereux, donc on va pas le faire. On va juste reboucher. Et se faire des torches. Voilà. Puis on va rester en sneak maintenant.
Putain, par contre, je suis vraiment désolé pour le mec qui est mort épisode 1. Puis aussi pour si c'est Freezor, qui a eu des bugs. Bon là, Freezor, il sera comptabilisé, je pense, dans le scoreboard, mais... On va dire abandon, je pense, hein, je sais pas. Parce que, ouais, parce qu'il est parti tôt, en fait, enfin... Ouais, un peu comme saison 1, en fait, avec l'abandon de Kamixo et... Oui, donc l'abandon de Kamixo et Stone. C'est ça, hein, on est même nombre de joueurs que Océan, donc ouais, donc Océan on était 14 je crois épisode 2 parce qu'avec les deux abandons, donc ouais, donc ça revient au même en fait, hein. Puis en plus c'était, à l'époque c'était pareil, hein, c'était Freezor, je crois qu'il était Freezor qui était avec Kamixo, je crois, et Juju qui était avec Stone, il me semble que c'était ça, et donc oui, donc Stone et Kamixo avaient abandonné, donc ce qui faisait qu'on était à 14, bon là on est 13, mais ouais, donc on va dire que c'est pareil en fait. Bon, c'est certes dommage qu'il manque des gens, mais bon, c'est pareil. Hein. Par contre, c'est vrai que saison 2, les gars, il y avait eu un bon niveau parce que les premiers morts, je crois que c'était au bout d'une heure 20. Ce qui monte le niveau. Quand quelqu'un qui est en FK Peace. Bruit, désolé si vous allez entendre du bruit. Désolé s'il y a du bruit, les amis. Je m'en excuse. Voilà, alors tac. Bon, désolé pour le bruit, les amis. J'essaie de faire au mieux. Je sais même pas si vous allez entendre dans la vidéo, voilà. Qu'on est en grotte. L'homme qui sait plus faire le commentary, voilà. Par contre, il y a des. Ça fait peur. La place de bois, en fait, j'ai même pas vu. Bon, ah, oula. J'ai fait une connerie. Bouffe, 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 voilà, ça on met là-bas. On va faire cuire le fer encore. Ah, par là. Voilà. Voilà. Ce qui serait pas mal, ouais, c'est que. Ok, ouais, donc là, on a le psy. On va espérer le diamant. Moi, je dis, on espère le diamant. Le diamant est possible par là. Ah, oui, il est vraiment possible. Alors là, on a de la belle grotte pour commencer la game. Toujours avec notre pseudo bugué. Putain, ça veut devenir le symbole de OC3, en fait, le pseudo bugué. Le pseudo, la texture venue de je sais pas où. C'est vraiment un mystère ça. Eh ben, il y aurait que des problèmes sur tout sauf contrôle. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est tout sauf contrôle, on a déjà filmé deux avant celui-là en fait. Donc c'est un peu la merde, vous voyez. Ouais, on a filmé un... En fait, les deux premiers ont été filmés vraiment proches l'un de l'autre. Ouais, donc proche de l'un d'autre, puis en fait avec la première fois c'était parce que bah, déjà mon point de vue était inintéressant parce que j'étais mort par des mecs qui m'ont X-ray pour me trouver, bon. Non. Un peu le bordel, genre il y a eu du cheat. Puis la deuxième fois c'est parce que il y avait parce que, oui, donc j'étais avec Silver la deuxième fois en random team, donc random team comme saison 1 en fait, il avait repris la saison 1. Et puis là par contre le problème c'est que genre Silver il a fait que de laguer pendant deux épisodes. Moi j'ai dû l'attendre sur une montagne, affreux, hein, affreux. C'était vraiment le truc je crois le plus affreux de ma vie, genre c'est pendant 2 épisodes en fait tu attends et tu fais rien d'autre, enfin, ça t'attend juste que ton coéquipier puisse jouer, donc bon, c'est pas trop le top.
Plus 10, putain, y a pas de diamant plus 10. Wow. Donc, ouais, c'était un peu la merde. J'ai envie de connaître. Ouais, moi aussi, putain, j'ai envie de connaître ma team. Pas moi. Y a des gens, non, y a des gens, ils veulent jouer solo, vous voyez, c'est. Non plus, j'ai pas envie d'attaquer avec lui, vous voyez, le mec a dit qu'il veut pas, tu vois. Bon, j'ai vraiment pas envie d'être seul, hein. Clairement, si je suis seul, je suis pas bien. Hein. Parce que là, clairement, ça veut dire que là, je vais dans la merde. On peut pas gagner en fait en étant seul, hein. C'est pas possible. Hein. C'est une trop faible probabilité de gagner pour être en étant seul. Hein. Après, si je réussis, pourquoi pas, mais bon. Connaissant connaissant comment dire, mon niveau de jeu, le 1v3, enfin, un peu mort. Surtout, c'est vrai qu'entre OC2 et OC3, j'ai beaucoup perdu en niveau du fait que OC2 c'était pendant les grandes vacances et que là OC3 on filme en mars. Donc, on va dire que le niveau de jeu a un peu baissé. Putain, par contre, ah, mais on parle des grottes où il n'y a pas de diamants. Enfin, oui, bah, de toute façon, il avait dit il a baissé le taux de diamants, tout ça c'est normal. Voilà. Voilà, donc. Oui, donc entre les deux OC, j'ai une petite perte de niveau. Que ce soit PVP. PVE encore je dis pas. Quoique c'est vrai que si vous avez regardé Escalon du HC, c'était pas le top du top. Mais on va dire que ça va encore. On va dire le PVE, je m'en sors. Le PVP, ça c'est vrai que là c'est. On peut discuter. Hein. On peut discuter sur mon niveau. Après je suis pas non plus le plus nul. Je peux quand même me défendre. Donc on va dire que je serai pas façon un boulet pour la team plus tard. Hein, la team qu'on va avoir. Faut-tu faire par là? Je sais pas si je le prends. Ouais. Mais c'est que là, juste pour venir, donc là j'aimerais bien en fait avoir du diamant, les amis, parce que j'ai pas envie de rester bloqué en grotte jusqu'à l'épisode 5. Même si l'épisode 5, je sais que c'est le meet-up. Ah, pour contre, il y a un truc qui est pas précisé. Donc en fait, quand on va être en team, genre, va falloir se dire sur TS. Genre oui, on est dans tel team, enfin venez dans tel channel pour les teams, etc. C'est vrai que Mumble aurait été mieux, mais bon. Oula, je fais de la merde les amis. Oula, attendez. Allo les amis, alors je sais pas, je crois que ça a bugué le rec, désolé. Donc vous avez rien raté, hein. J'ai fait un F11. J'ai fait un F11, ça a fait crash le rec, désolé les amis. J'espère que ça a pas trop touché l'épisode 2. Logiquement non. Sinon, bah ouais, je sais pas, non, normalement non. Bah au moins, qui c'est. Bon, au moins je sais, au moins que là vous aurez moins la fin de l'épisode. Mais bon, c'est un peu bizarre, ouais, je sais pas pourquoi ça buguait. Là on retourne un peu sur nos pas. Faut jouer tous les problèmes de. Il y a des bruits derrière. J'ai mon excuse. Putain, par contre, il n'y a pas de diamant, ça c'est insane. Putain. Moi c'est pas ça que j'aime pas dans les jeux HC, c'est vraiment très random le diamant, enfin. Déjà du fait de base qu'il y en ait peu, mais en plus la silver qui baisse le taux, c'est un peu le cancer. Hein. Et en plus là le pompon serait qu'il faut que. Si je suis seul, là là je pense que mon point de vue est mort. Hein. Putain, bon, on avait pas de diamant, non il n'y a pas là. Ah. Ah ok, d'accord, très bien, merci le Daemon. On a du diamant par là. Il faut oh, lui. Ah, non, par contre, je crois qu'il y en aura que 3. Ah. Bon, c'était le X-ray des familles. Et c'était le X-ray. ouais, d'accord, donc, ouais, donc en fait, là, c'était vraiment le diamant du random, hein, clairement. Je crois que j'aurais jamais vu pire dans le diamant, dans un coin. Tout seul.
Faut espérer qu'il y en ait d'autres comme ça. ouais, alors t'es par là. Voilà. De toute façon, là, je pense pas que les gens vont venir attaquer dès que t'as l'épisode 2. Ou alors ils sont un peu. Ils ont envie de casser la game, je sais pas. C'est un peu triste quand même hein, d'attaquer des gens à l'épisode 2. Ouais, je trouve ça un peu triste. Attaque. Parce que c'est vrai que l'épisode 2 ça casse un peu la game après, c'est dommage. Parce que c'est vrai que, bah, on va dire, on est tous un peu hype et tout, puis t'as un mec qui arrive et qui tue quelqu'un, on va dire un mec qui rec en plus à l'épisode 2, bah déjà ça enlève un rec. C'est vraiment dommage pour la partie, quoi, enfin pour la personne qui attendait out of control. Après, le cas de Freezer, où lui c'est encore pire, lui c'est il est venu, il m'a envoyé dans un message en portable, il m'a dit qu'il laguait trop, donc il pouvait pas jouer, donc en plus c'est encore pire, vous voyez. Lui c'est il était chaud, mais à cause juste de sa connexion internet, il peut pas participer, donc pour moi c'est ce cas-là le pire en fait. T'es hypé par l'event, mais tu peux pas participer. Par exemple, dans les cas très similaires pour 2TUHC, qui avons fait sur ma chaîne, bon je vous raconte un peu ma vie, mais de toute façon on a que ça à faire. Par exemple, on prend UHC Nord-Sud, bon, le truc que j'ai pas pu filmer, poster, parce que j'ai perdu les recs. Par exemple, j'ai dit épisode 1, ouais. Bon, puis il y a Sora, voilà, on peut parler d'un truc tout con, il y a Sora qui a pas pu venir, je l'ai cité, ouais, Sora aussi était hypé par UHC Nord-Sud, parce que c'était un truc exclusivement The Fire. Mais ce jour-là, elle était pas là, je crois, et donc il a pas pu participer. Hein. Ou par exemple, le meilleur exemple, c'est l'UHC Nord-Sud. Pas l'UHC Nord-Sud, qu'est-ce que je dis, oh là, l'UHC Skyland UHC, ou même encore là, Out of Control, il y a beaucoup de gens qui devaient venir, et qu'en fin de compte, tu te retrouves avec peu de gens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas là, qui peuvent pas, qui ont des problèmes de connexion, etc. Donc, ouais, donc c'est un peu triste, en fait. Parce que parfois, c'est ces gens-là, après, qui font la game, en fait, entre guillemets. Enfin, s'ils étaient là, bah, ils ont pu faire des bonnes choses, en fait, dans la game. Oh putain. Wow. Putain, ça videur. Putain, j'ai eu chaud. Hein. Alors, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me dis un petit best PVE, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait faire la game. Bot tomber dans les trous aussi, ça pourrait faire la game. Après, là, donc je parlais de pomme d'or avec Snow avant la game. On parlait du fait que là sur Out of Control, le problème c'est que dès que tu fais un fight, là le fait qu'on soit full fer, c'est dès que tu fais un fight, le problème c'est si t'as rien pour te régène, bah t'es un peu éliminé en fait. Parce que la régène est très très importante, surtout en full fer. Parce que c'est vrai que des épées Sharpness 3 ça fait extrêmement de dégâts. Comme je parlais dans l'épisode 1 avec les Power 5, qui font aussi beaucoup de dégâts. Enfin bon, c'est pas vraiment Power 5, on va dire que les gens sont plutôt sur du Power 2, mais là c'est pareil, ça fait extrêmement de dégâts, ça fait très très mal. Et s'il n'y en a pas minimum 2-3 pommes derrière, enfin 2-3 pommes d'or, bah on va dire que ça devient compliqué de faire la game, hein, de faire du kill. Enfin autant si, là je pense que tu peux faire un fight, mais le deuxième, si t'as pas de pommes d'or, t'es mort en fait, c'est fini. Hein. Ah tiens, j'ai 20 or, donc en fait je dis ça, c'est bon. Faut juste pas espérer qu'on se pique l'or. Ah, je vais aussi mettre le fer à faire cuire. Tac 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 tac. Voilà. Bon, on teste. On essaie de trouver du diamant. Quoique, il y a des grottes derrière, donc attends, on va aller voir les amis, à la fin de l'épisode. Tac tac tac, voilà, alors tac, on enlève ça, oh non, redstone, oui, parce qu'il n'y a pas de nether, donc ça sert à rien. Il faut dire comme ça les amis, c'est faut prendre les priorités, vous voyez. Ah, ok, masse de spider, il n'y a que des spiders, alors moi les amis j'aurais que des spiders, clairement. C'est pas si mal, vous allez me dire. On a 6 fils, ouais, power 2, on a 16, oh oui, oh là les amis, là, on est pas mal. On va juste essayer de pas prendre des dégâts, on en a un peu là, voilà. Alors, tac. Ah, les amis. Bon, là, logiquement, je vais être tranquille pendant un petit moment.
oui. Ok, donc rien par ici. On n'a même pas appris ça, qu'on a même pas appris le psy. Ah, fin de l'épisode 2, on se retrouve pour l'épisode 3. Salut tout le monde!